Bon, on a la gendarmerie maritime qui vient de se garer juste là-bas. Là. Est-ce qu'ils vont venir nous embêter ou pas? Je pense pas. On verra bien. C'est un gros truc de ouf. On sort donc de Monaco parce qu'on a été expulsé. C'est un truc de ouf. Hop là, de retour. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là. C'est ce qu'on appelle un zoom atomique. Donc je suis de retour, voilà. Donc, et ben en fait notre petit rassemblement a été écourté par les forces de l'ordre. Le plan a échoué. Ouais, on a fail. Donc, mais on n'a pas tout à fait fail. Parce qu'on est en train d'organiser un espèce de gros rassemblement tuning. Donc là on va monter à la turbie. Donc notamment à la tête de chien, on part tous ensemble, j'ai plusieurs voitures qui me suivent juste derrière et on va tous se retrouver là-haut, ça va être vraiment trop la guerre. Donc voilà, c'est bien, ça s'est passé dans le bon sens, tout le monde était content, la police n'a verbalisé personne et là, oh, un jeu de tunnel. Regardez-moi ça. C'est un gros truc de ouf. On sort donc de Monaco parce qu'on a été expulsé. Avec le sourire et avec courtoisie. Donc on va se soumettre aux règles en vigueur. Et du coup, bah là, on est en train de partir tranquille. Attends! Ouais, ouais, heureusement. Passe devant, passe devant. Nous sommes en train de gérer la situation. Vous l'avez fait. Attends.
Ça serait le top, ça serait justement qu'il y en ait un qui passe quand même, qu'on puisse faire des plans. On le laisse se faire péter. Mais non, mais ils le savent maintenant. Il y a que eux qui le savent. Mais dans les buissons, il t'a dit. Ouais, il m'a dit ils se cachent, il m'a dit ils sont cachés sur les côtés, cachés. Mais où ils sont? Tu sais, il m'a dit dans la route qui monte là, tu oublies. Mais Nabil, il est pas parti longtemps avant nous. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais laisser passer tout le monde et puis je vais leur dire. J'ai pas le choix, hein. What the fuck? Bon bah voilà, on a sauvé sûrement plusieurs points et quelques permis, donc on va s'empresser de remonter dans la voiture. C'est bien pour le coup. C'est parfait. Parce que bon, bah oui c'est plus toi. Merci ma chérie. Merci frérot. Attends. Hop. Ouais du coup vas-y, je te laisse finir ton histoire. Enfin, je pense qu'il y a moyen qu'on ait sauvé quelques permis. T'as bien raison. Oui, parce que vu comment c'était parti. Le mec vient de nous le dire. On va mettre les ceintures. Le mec il a dit attendez, il y a les flics partout en montant. C'est Nabil qui a sauvé quelques permis, merci Nabil. Ouais, merci Nabil frérot. Vraiment merci. Dédicace. On va mettre les ceintures maintenant et puis voilà, on va se calmer. On est plus. Mais oui, parce qu'on est plus à Monaco. On est plus à Monaco frérot. On va remonter tranquille. Oh là. Et on est arrivé. Regardez, c'est ça. Donc, du coup, on a réussi à s'organiser. Il y a plein de car spotters. Bon, eux, vous les connaissez déjà. Hein. On a plein de monde qui est revenu nous retrouver là-haut. Donc c'est vraiment trop la guerre. Bon, du coup, voilà, on retrouve tous les copains. Et il est parti par là-bas, Nabil. Tenez, je vais vous le présenter, c'est lui qui nous a sauvé la vie. Merci Nabil. Avec plaisir. Au nom de tous. C'est normal. Nous te remettons la médaille du mérite. Tu as sauvé beaucoup de points aujourd'hui. Beaucoup de permis de sauver. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, on est parti. En fait, on les a vus. On est parti comme des balles de Monaco. Vous avez vu, on a même eu les gendarmes qui nous ont fait une espèce de dab qui était un peu bisextile, tu vois. Et on est parti comme des balles pour monter à Turbi. En fait, on reçoit un appel en disant monte pas vite. Il y a les gendarmes de cachés derrière les buissons. Et du coup, vous avez vu tout à l'heure, on s'est arrêté. On a sauvé les permis sûrement de toute la famille, là, vous voyez, là. Et voilà. Du coup, on va en continuer à profiter tous ensemble. Oh.
Bon l'équipe, qu'est-ce qu'on dit? Un gros remerciement à tous ceux qui sont venus. Bah évidemment, merci à vraiment, ça a été une journée vraiment super. Et c'était vraiment la Bagdad. La guerre. On a même vu les gendarmes nous faire un dab. Il y avait des gendarmes, il y avait des tunnels en folie. T'es où, tonton? Tonton. Yes. Toi t'as fait un bordel frérot, tu t'es cru au... J'ai fait même des ruptures devant les flics. Donc il a un avantage par rapport à nous, c'est qu'il roule en plaque andorréenne. Donc forcément il peut se permettre de rouler valve ouverte et faire le con. Et l'échappement, il me dit il est d'origine friru. Ouais. Friru. Il est d'origine. Bon, vous allez voir tout ça dans Il est d'origine aftermarket. Ouais, drôlement.